Bonsoir à tous. Je ne vais pas trop parler fort, étant donné l'endroit où je me trouve. Et j'ai décidé ce soir de faire quelque chose de spécial pour vous. On ne va pas trop durer. Donc, j'aimerais que vous preniez des notes très importantes. Parce que cette nuit, je vais tenter de remédier à un problème que les enfants de Dieu ont, un problème, quelque chose à laquelle la plupart d'entre nous font face. Je pense que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, je suis en transit à Paris. Je n'ai pas voulu trop le dire aux gens parce que je sais que si les gens savent que je suis à Paris, ils vont venir m'attraper ici. Donc, je me suis caché. Je me suis caché. Et quand j'ai fait un petit direct, j'ai dit aux gens j'étais à Paris, mais je ne leur ai pas dit où je suis. Salut, oncle. Voilà, donc, étant ici à Paris, avant de me rendre en Belgique la semaine prochaine, j'ai décidé cette nuit de faire un programme très important que j'appelle programme de protection contre les attaques nocturnes. Je ne vais pas parler fort. S'il y a un groupe de personnes qui ne me reçoit pas comme il se doit, faites-moi signe. Je tenterai du mieux que je peux d'élever la voix pour me faire entendre. Alors, je suis dans une chambre d'hôtel, je ne peux pas parler fort comme quand je suis au bureau où j'attends de me faire entendre. Mais il est important que nous fassions ce programme, étant donné que beaucoup d'enfants de Dieu sont confrontés. Salut ma sœur Danielle, hello, je ne se repose pas. Hein? On va parler après quand je finis. Alors, donc, les enfants de Dieu sont tous confrontés à des attaques nocturnes. Nous savons qu'il y a la journée et la nuit. La journée, les hommes vaquent à leurs occupations et la nuit, les forces des ténèbres passent à leurs attaques. Donc, quand nous allons dans la parole de Dieu, c'est-à-dire en psaume 91, la Bible dit « Tu ne craindras ni les flèches qui volent de jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Tu vois, la parole de Dieu, bien-aimé, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la contagion qui frappe en plein midi. La parole de Dieu même nous parle de ce qu'il en est des attaques nocturnes. Et il y a des enfants de Dieu qui, malgré qu'ils prient avant de dormir, sont attaqués. Mais vous savez, si vous priez la nuit avant de dormir, sans bien prier, c'est sûr que vous allez être attaqué tout de même. Pour la simple et bonne raison que il y a des gens qui, lorsqu'ils sont fatigués, se contentent de dire quelques paroles. Mais des paroles qui, parfois, n'ont rien à voir avec le mode opératoire de l'ennemi. Qui lui aussi, vient les attaquer tout de même. Et cette nuit, j'ai décidé de vous montrer une petite stratégie, simple et courte, mais qui s'avère très efficace dans le combat spirituel. Vous comprenez que aucune des armes qui existent sur cette terre n'a été inventée par les hommes sans qu'ils aient d'abord aperçu ça par l'œil spirituel, c'est-à-dire par l'imagination. Désolé, il y a des appels qui sont en train de m'interrompre en ce moment. Donc, ce qui veut dire que toutes les armes que vous voyez sur le plan physique peuvent aussi être utilisées dans le combat spirituel, tant dans les délivrances que dans la protection divine. Alors, bienvenue. S'il vous plaît, si vous me voyez en direct, ne m'envoyez pas des messages, parce que quand vous m'envoyez des messages, le message bloque. Excuse-moi, s'il te plaît, peux-tu arrêter de m'envoyer les messages pendant que je suis en direct
Voilà, parce que chaque message que tu envoies bloque la connexion et m'empêche de parler. Si tu veux, tu passes en direct pour nous suivre ou bien tu dors demain, tu me parles. C'est bon? Donc, j'aimerais vous montrer des stratégies efficaces et j'étais en train de dire bienvenue aux uns et aux autres. Oui, ça coupe parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que je suis en direct. À ce programme que j'intitule Prière de protection contre les attaques nocturnes. Je vais vous donner un petit enseignement suivi de ces prières en question pour que vous puissiez l'appliquer. Sans tarder, je vous invite à vous joindre à moi pour dire merci. J'ai d'abord introduit le programme et je vous ai dit de quoi nous allons parler de manière brève et attaquer pour pouvoir protéger nos vies. Baissons la tête ou fermons les yeux ou soyons concentrés pour dire merci à Dieu, de sorte que son esprit puisse prendre le contrôle de ce programme. Prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je bénis ton nom parce que c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui bénis, c'est toi qui lèves, c'est toi qui abaisse. Tu as notre vie en main et tu as notre souffle entre tes mains. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce soir, tu m'as permis de passer la nuit ici à Paris parce que c'est là que je devrais être selon ton plan. Je bénis ton nom, Père, d'avoir permis que ce voyage en Guyane soit un succès. Je bénis ton nom pour les frères et sœurs qui se sont activés pour que le voyage en Guyane se passe bien. La conférence était un succès. Il y a eu des guérisons. Ce n'est pas par ma force, mais par ta puissance. Ce soir encore, étant à Paris, j'aimerais, Père, te remettre la vie de tes enfants de sorte qu'ils me protègent parce que beaucoup d'entre eux sont combattus mais ne savent pas comment prier pour se protéger. Alors, tu me mets à cœur de faire ce programme intitulé Prière de protection contre les attaques nocturnes. Père, j'aimerais que ton esprit me guide, me protège et m'oriente alors que j'enseigne pour que tes enfants soient édifiés, pas par ma force, mais par ton intelligence divine. Contrôle ce programme, dirige-le et inspire-moi alors que je prie. Que Père, tous ceux qui m'écoutent soient touchés d'une manière ou d'une autre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, avant de dormir, beaucoup d'enfants de Dieu se contentent de faire des lectures de psaumes et autres et dorment. Ils dorment en croyant avoir bien prié. Si bien, moi-même, j'ai une fois été à Tiasali en mission lorsque j'étais en Afrique et je dormais dans un hôtel. L'hôtel s'appelait l'hôtel Le Barracuda. Mais au centre de l'hôtel, il y avait quoi? Un hôtel. Je parle d'hôtel satanique, pas d'hôtel où l'on dort. Et je ne me suis pas rendu compte pourquoi je dormais si mal. Je dormais tellement mal que je me réveillais tous les jours fatigué. Mais je ne savais pas que c'était parce que dans ce lieu, il y avait un hôtel satanique. Et un jour, avant de dormir, j'ai pris le livre de Psaume 91. Et je l'ai lu intégralement à haute voix. Lorsque j'ai fini de lire le psaume 91 à haute voix, je me suis endormi comme un bébé. Parce que cette nuit, les forces oppressives n'ont pas eu l'occasion de passer à l'attaque. Mais je me suis rendu compte que, au fur et à mesure que je lisais le psaume 91, il se trouvait que, malgré que je le lisais, j'avais toujours des attaques nocturnes. Peut-être que cela vous arrive de faire un passage biblique, de lire, de méditer et de faire une prière avant de dormir et vous n'avez pas d'attaque. Toutefois, le lendemain ou un autre jour, vous prenez le même verset biblique ou le même passage, vous le lisez, mais vous êtes attaqué. Qu'est-ce qui explique cela? Cela explique que lorsque nous utilisons des armes dans le combat spirituel, l'ennemi va essayer de contrecarrer cette arme. La première fois, ils vont tenter de voir comment vous avez fait pour éviter leur présence. Et quand ils s'aperçoivent de qu'est-ce que vous avez fait ou quel passage biblique vous aviez utilisé, ils vont tenter de contourner les armes que vous aviez utilisées. Du coup, la même prière que vous aviez faite aujourd'hui qui a eu de l'efficacité peut s'avérer inutile demain. Quand vous utilisez les mêmes armes, c'est là qu'il devient important de varier
les techniques de prière que nous utilisons. Moi-même, je vous avais déjà dit qu'un jour, j'avais fait une prière puissante en disant à Dieu que tout avion qui va décoller contre moi depuis le monde des ténèbres pour venir me faire la guerre soit foudroyé par le tonnerre. Suite à cette prière, j'ai déjà rendu ce témoignage d'ailleurs, j'ai fait un rêve où un avion rempli des gens qui venaient m'attaquer est monté vers le ciel et l'avion s'est écrasé, renversé par un vent puissant. Alors, j'ai vu que la prière était efficace. Je l'ai fait une fois, deux fois et trois fois. Chaque fois que des avions décollaient depuis le monde des ténèbres pour venir m'attaquer, ces avions étaient renversés par le vent parce que j'avais donné un ordre au vent. Et le vent m'obéissait. Bien-aimé, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Si vous parlez au soleil comme Josué, le soleil vous obéira. Si vous parlez au vent, le vent vous obéira et combattra pour vous. Si vous parlez à même la tempête, elle vous obéira. D'ailleurs, la Bible a démontré des exemples où Moïse a dû lever son bâton pour que le vent vienne diviser la mer rouge, où Dieu même a dit à Ézéchiel de parler au vent. En tout cas, il y a beaucoup de circonstances bibliques où Dieu nous a démontré que nous avons le pouvoir, même sur les éléments. Pourtant, aujourd'hui, il se trouve que ce sont les enfants de Dieu qui sont en train de subir les attaques nocturnes venant de la part des forces des ténèbres qui utilisent ces éléments pour les combattre. Pourtant, nous aussi avons la capacité d'ordonner aux flèches de feu de poursuivre nos ennemis. Voici pourquoi il est écrit en psaume, de la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant la grêle des flambeaux de feu, l'Éternel fit retentir sa voix. Vous comprenez? Dans le livre des psaumes, nous voyons que David a efficacement utilisé les armes. Il parle de tonnerre, il parle de vent. En Ésaïe 41, la Bible nous dit, tu rendras les collines semblables à de la balle, tu les vanneras, le vent les emportera. Par conséquent, si vous êtes limité en stratégie de combat spirituel, l'ennemi vous vaincra. Et je me suis rappelé que le jour où j'avais invoqué le vent contre tout avion des ténèbres qui décollera pour venir m'attaquer, j'ai fait un songe où les gens qui sont venus m'attaquer ne sont pas venus en avion, mais ils sont venus en bateau. Vous vous rappelez certainement de ces témoignages que j'ai déjà rendus à plusieurs reprises. Je vous assure, j'ai fait un rêve où les gens étaient armés, ils sont venus m'attaquer, mais ils sont venus en bateau. Ça m'a tellement fait rire parce que là, j'ai eu l'impression que Satan écoute nos prières. Et là, je me suis rendu compte que il m'avait eu parce que ce jour-là, ils sont venus m'attaquer et ils étaient venus en grand nombre, mais en bateau. Donc, désormais, j'ai appris à fermer ce qu'on appelle les portes de fondement. Beaucoup de gens combattent, ils prient, mais ils ne ferment pas les portes spirituelles. Vous savez, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a ce qu'on appelle les portes de fondement. Et il y a des heures auxquelles ces portes s'ouvrent. Il y a les portes qui s'ouvrent dans la nuit à 18h, aussitôt que les portes du jour se referment. Donc, il y a des moments où les forces des ténèbres vont aller, quoi? Faire des inspections, voir qui est là, qu'est-ce qui s'est passé et autres. Et c'est après cela qu'aux environs de minuit, leurs attaques commencent. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'entre minuit et 3h du matin, les attaques ou les activités spirituelles sataniques s'accélèrent. C'est là que les gens font les plus de cauchemars et autres. Pourtant, vous pouvez tout simplement apprendre à prier en invoquant des boules de feu pour fermer les portes de l'enfer et vous allez voir que aucune force nocturne, aucune puissance satanique ne pourra vous attaquer.
parce que les forces de la sorcellerie elles-mêmes, avant de vous attaquer, doivent demander la permission au fondement de la nuit. Aucune puissance des ténèbres ne peut franchir les barrières spirituelles sans avoir fait des incantations pour ouvrir ce qu'on appelle les portes invisibles. Ce qui veut dire que si les forces des ténèbres veulent passer par exemple par le cimetière pour vous attaquer, ils doivent faire des incantations pour ouvrir les portes invisibles pour entrer dans leur monde. Par conséquent, si vous prenez autorité sur toutes ces portes invisibles par le feu et vous fermez ces portes par le feu, vous allez voir que ces forces ne vous attaqueront pas. Par conséquent, si vous voulez vraiment appliquer ce que je vous enseigne, il s'agit de battre les mains. C'est très simple mais très efficace. Et lorsque vous battez les mains, vous invoquez le feu pour fermer toutes les portes spirituelles. Si l'ennemi veut influencer les étoiles, la lune et les portes d'un fondement pour vous attaquer, il suffit seulement de dire à Dieu que toute puissance des ténèbres qui va passer par l'eau pour vous attaquer soit consumée par le feu. Si vous fermez la porte spirituelle de l'eau, vous allez voir que ces forces ne pourront plus opérer par l'eau contre vous. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte, mais le jour que vous faites des songes ou des cauchemars et que vous êtes attaqué par des forces que vous voyez dans les forêts, sachez que ce jour-là, les puissances des ténèbres qui vous ont attaqué sont passées par la forêt. Vous comprenez? Soit ils ont invoqué des démons des forêts contre vous, les sirènes des forêts contre vous. Le jour où vous faites des rêves où vous êtes attaqué par le vent, c'est que les forces de l'air vous ont attaqué. Lorsque vous êtes en train de faire des songes où vous êtes attaqué sexuellement, c'est que vous êtes attaqué par les forces qu'on appelle la reine des nuits. Là, il y a des gens qui appellent cette force des ténèbres la reine des nuits, ou il y a d'autres qui l'appellent la maîtresse des nuits. Lorsque la maîtresse des nuits visite les gens, ils sont victimes d'attaques sataniques, sexuelles. Ou, tout simplement, la maîtresse des nuits s'appelle Hécate. Il y a une force démoniaque qui s'appelle Hécate. Ce sont ces forces qui s'incarnent en prenant des visages pour venir vous attaquer. Donc, ce que je suis en train de tenter de vous faire comprendre, c'est le fait de bien prier avant de dormir. Bien aimé, dans la vie de l'être humain, la nuit est le moment le plus dangereux de la vie. Pourquoi? Parce que la nuit, nous nous endormons, notre esprit se sent faible et comme mon professeur me l'avait dit un temps, un homme surpris est à moitié pris. Et vous allez voir que c'est pour cela que l'ennemi n'attaque que la nuit quand vous êtes profondément endormi. Quand vous êtes abattu et que vous êtes profondément endormi, là l'ennemi passe à l'attaque. Parfois il y a certaines personnes qui se réveillent, surpris, étouffées, et elles se débattent pour se réveiller, elles regardent, il n'y a personne. L'une des attaques les plus horribles que j'ai reçues lorsque j'étais à Montréal est une attaque durant laquelle la personne qui m'a attaqué était là physiquement dans ma chambre. Bien aimé, je vous le dis et je ne veux même pas vous raconter d'histoire parce que je suis en train d'enseigner et Dieu même m'entend. J'ai été tellement attaqué, j'ai senti l'attaque physiquement et lorsque j'ai ouvert les yeux, la personne qui m'a attaqué était en train de fuir. Mais lorsque je l'ai poursuivi, je n'ai pas pu la rattraper. Je dormais et j'ai senti des mains agripper ma gorge. Il y a quelqu'un qui m'envoie les messages, ça me coupe, c'est ça. Ma gorge, j'étais étouffé. Je me suis débattu. Et lorsque j'ai balancé la main dans l'invisible, j'ai attrapé la personne dans le songe d'abord. Et la personne me dit, et elle était d'abord invisible et tout à coup, elle est apparue, elle a commencé à dire, mais je ne savais pas que tu me voyais. Et quand je me suis réveillé, bien aimé, j'étais étouffé, physiquement étouffé. Je mourais durant mon sommeil. Je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, je vois un jeune homme en culotte. Je ne sais pas comment il est entré dans ma chambre. Et il courait pour aller vers le salon. Aussitôt, j'ai bondi de mon sommeil. J'ai couru pour le poursuivre. J'arrive au salon. Toutes les portes étaient fermées. Il avait disparu. Alors, à l'époque, j'étais assis. Mon cœur battait. Parce que je savais qu'à l'époque, ma femme était une peureuse. C'est une personne, quand tu vas au travail, elle allume toutes les lumières dans la douche. Même dans la salle de bain. Dans la cuisine.
Elle allume toutes les portes pour dormir. Parce que à Montréal-Nord, à l'époque où ça s'est passé, à Montréal-Nord, Montréal-Nord était un quartier, est un quartier dangereux. C'est l'un des quartiers à Montréal que les gens craignent le plus. Parce que c'est un quartier violent. Donc, quand je vais au travail, même quand il y a un petit bruit, elle m'appelait pour dire, il y a tel problème, il y a tel truc. Et là, je me dis, mais Eloge, avec ce rêve que tu viens de faire là, est-ce que tu vas dire à ta femme que tu as vu quelqu'un physiquement dans la chambre ou bien tu préfères te taire? Là, j'étais assis. Je sais que si je lui dis, là, c'est sûr qu'elle ne va plus dormir dans la chambre. Peut-être qu'elle va dormir dans la cuisine. Donc, je suis assis et j'y réfléchis. J'ai réfléchi qu'avec des bons éloges, mieux vaut dire la vérité. Là, je l'ai réveillée et je lui ai dit, j'ai été attaqué. Mais lorsque je me suis réveillé, j'ai vu physiquement la personne qui m'a attaqué dans la chambre. J'ai pas bien vu le visage du jeune homme, mais il était dans la chambre. Bien aimé, beaucoup d'entre vous ont fait ce genre de rêve. Ou quand tu es en train de dormir, tu sens physiquement qu'on t'attaque, on t'étouffe, tu te débats pour te réveiller. Le jour que vous faites ce genre de songe, sachez que la force qui vous a attaqué était physiquement téléportée dans votre chambre. Ils ont la capacité à se téléporter. Et beaucoup de gens ont déjà succombé à ce genre d'attaque. Vous n'avez jamais entendu tel frère qui est allé au lit, il s'est pas réveillé. Et aujourd'hui, j'aimerais vous enseigner comment faire de bonnes prières avant de dormir. Et si vous faites vraiment ces prières comme il faut, vous allez voir que vous serez vraiment protégé. Il y a des gens contre qui les maris de nuit se lèvent impunément. Demain, ils prient impunément. Mais homme de Dieu, pourtant j'ai prié et puis ils sont venus m'attaquer. C'est parce que tu pries mal. Et je suis sûr que si tu brûlais. Excusez-moi de le dire, c'est un peu grossier, mais si tu envoyais le feu pour brûler le zizi du mari de nuit, c'est sûr qu'avant de venir, il allait réfléchir 5 fois avant de venir. Parfois, les enfants de Dieu sont trop gentils dans la prière. Ils sont trop gentils dans la prière, ils s'amusent avec leur vie de prière. Ils mélangent péché. Ils mélangent péché, distraction, connerie et prière, et après ils sont étonnés que ils sont attaqués. Alors, j'aimerais là vous donner des secrets pour combattre. J'ai une prière que je vais trouver quelqu'un pour transcrire, une prière très efficace. Cette prière est dans l'un de mes Shin Talks et c'est une prière très très efficace, simple mais efficace. Alors, avant de dormir, voici ce que vous devez faire. N'oubliez pas, il y a plusieurs portes. Les portes des fondements de l'eau. Les portes des fondements de l'eau sont très régulièrement utilisées par ceux qui pratiquent ce qu'on appelle la sorcellerie marine. Avant que les sorciers n'aillent dans le monde marin pour pratiquer leur sorcellerie, même s'il y a un sorcier qui est connecté là-là, il va savoir que j'ai beaucoup fait des recherches sur leur monde. Ils vont ouvrir les portes des fondements de l'eau. Et c'est à travers cette porte spirituelle qu'ils vont rentrer pour pratiquer leur sorcellerie dans le monde marin. Donc la première porte à fermer, c'est les portes des fondements de l'eau. Il y a aussi les sorciers qui vont dans le mystère de l'air. Ceux qui pratiquent la magie, qui vont dans le mystère de l'air. Utilise les portes du fondement de l'air. Maintenant, ceux qui travaillent dans la nuit, durant la nuit, toutes les forces de la sorcellerie en général, doivent ouvrir ce qu'on appelle les portes des fondements de la nuit. Donc, si durant vos combats, vous parvenez à cibler les portes des fondements de la terre, pour ceux qui pratiquent la sorcellerie terrestre, c'est-à-dire qui vont sur le monde, dans le monde souterrain, portes des fondements de la terre. Porte de fondement de l'air, porte de fondement de quoi? De l'eau, porte de fondement des ténèbres, de la nuit. Si vous ciblez pour fermer ces portes spirituelles en faisant des très bonnes prières et surtout en vivant dans la sanctification, aucun sorcier ne pourra quitter son corps pour aller vous attaquer. En 2006,
J'étais confronté à une attaque de sorcellerie visible. Parce que j'habitais dans une cour de Yopougon-Couette, d'où il y avait des sorcières qui pouvaient même se vanter d'être sorcières. Regardez, des sorcières qui n'avaient même pas peur. Elles se frappaient la poitrine pour dire qu'elles, elles sont sorcières depuis 12 ans dans la cour. C'est ça, j'ai dit, vous savez pas qui on appelle le louche. J'ai commencé à faire cette prière. Que vous devez faire? Répétez avec moi. Seigneur, que toute puissance satanique, tout sorcier qui va se dédoubler pour aller m'attaquer dans le monde des ténèbres, s'étouffe et meurt dans le nom de Jésus. C'était ma prière. Tout sorcier qui va quitter son corps, tout sorcier qui va se dédoubler pour aller me combattre dans le monde des ténèbres, étouffe-toi dans le nom de Jésus, que ton souffle se coupe. Ce que je vous dis là, il y a des témoins, il y a un pasteur et sa femme qui étaient mes voisins, qui peut vous le dire. J'ai dit que son souffle s'arrête dans le nom de Jésus. Répète la prière avec mon Seigneur. Que tout sorcier qui va quitter ce monde pour aller me combattre dans le monde des ténèbres, que tout sorcier qui va se dédoubler pour aller me combattre, que tout sorcier qui va quitter son corps pour aller me combattre, que son souffle s'arrête, qu'il meure dans le nom de Jésus. Et l'ami, la sorcière voulait quitter son corps entre minuit et 3 heures du matin. Pam! Son souffle s'est bloqué. Hey! C'est pas on qui dit, je vous le dis, les témoins sont là. Monsieur Rémi et sa femme sont encore en vie. Les témoins, témoins oculaires. Elle a commencé à se débattre la nuit. Là. Moi, j'ai fait ma prière. Je dormais. Est-ce qu'ils savaient que j'avais sorti dans la cour qui m'en voulait? Matin, j'entends quelqu'un qui est en train de maudire toute ma famille. Matin, bonheur. J'ai dit, hé, hello, tu as fait quoi encore? Je me réveille. J'entends ton papa, oh, tes enfants, oh, ta maman, oh, vous êtes maudits. J'ai dit, hé, c'est quoi encore? Là, je sors, je la vois toute en colère. Elle ne me parle pas. Le pasteur m'appelle pour dire, qu'est-ce que tu as fait encore? J'ai dit, mais j'ai fait quoi? Elle dit que cette sorcière a dit que la nuit, la nuit, son souffle s'est coupé à cause de tes prières. J'ai dit, ah, là, je me suis souvenu de tout. Elle dit, la nuit, son souffle s'est coupé. C'est ça, j'ai dit, mais attends, la nuit, là, elle partait faire quoi? Et puis, son souffle s'est coupé. Vous voyez, ce que je vous dis est un fait vécu. Ce n'est pas une imagination. Tout ce que vous demandez à Dieu est puissant. Parfois, les enfants de Dieu font une erreur. Quand ils quittent au travail, ils ont toujours leur téléphone en main. Navigation, journal télévisé, navigation, bavardage. Et ils ne prient que lorsqu'ils sont sur le point de dormir. Et quand vous priez, lorsque vous êtes sur le point de dormir, vous allez voir que vous êtes tellement fatigué que votre prière ne durera pas. Vous allez dire quelques mots insignifiants et puis c'est fini. Mais pour moi, j'aimerais que lorsque vous finissez de vous laver, vous avez mangé, ne faites rien d'autre. Parce que la nuit est importante. La nuit fait partie des moments les plus dangereux de la vie d'un être humain. Parce que c'est là que tu dors. Et pendant que tu es en train de dormir, là, c'est là qu'ils viennent pour t'avoir. Et c'est là cette sorcière-là quittait son corps pour aller opérer contre moi parce qu'elle m'en voulait. Mais son souffle s'est arrêté. Après, maintenant, toutes les sorcières qui se frappaient la poitrine ont commencé à envoyer la femme et le pasteur dire à Éloge que personne n'est juste. Il y a une même qui dit que le tonnerre est tombé chez elle. Il y a une qui dit qu'il y a un esprit qui veille sur elle, qui est venu lui dire qu'elle était en danger. Bien aimé, c'était l'un des moments où j'avais vu la puissance de Dieu et autres. Si vous voulez vivre en paix, voici un petit point de prière, simple mais efficace. Je vais vous donner des versets bibliques à utiliser si vous voulez dormir. Voici un... Partagez la prière avant qu'on continue, s'il vous plaît. Partagez la prière. Partagez. Partagez. Vous savez que ça fait deux fois que je passe en direct aujourd'hui, non? Cela fait deux fois. Depuis que je suis arrivé de la Guyane à Paris, je ne me suis pas reposé et je suis en activité. Donc, je vais vous donner des points de prière très efficaces qui vont vous aider. Si vous avez partagé, que Dieu vous bénisse. Donc, voici un petit point de prière simple. Dites à Dieu, Seigneur, que tout sorcier qui va sortir de jour comme de nuit
pour m'attaquer, soit frappé de plein fouet par l'épée de Dieu et décapité au nom de Jésus. Tout sorcier qui va sortir de nuit comme de jour pour m'attaquer, soit frappé de plein fouet par l'épée de Dieu et décapité au nom de Jésus. Que tout sorcier qui va sortir de nuit comme de jour pour m'attaquer, soit frappé de plein fouet par l'épée de Dieu et décapité au nom puissant de Jésus. Que tout sorcier qui va sortir de nuit comme de jour pour m'attaquer, soit frappé de plein fouet par l'épée de Dieu et décapité au nom de Jésus. N'oubliez pas les prières. S'il vous plaît, ne m'appelez pas pour me dire de vous réexpliquer ce que j'enseigne. Il y a des gens qui ont forgé cette habitude. Comme je suis gentil avec eux, je prends tout le temps, 3 heures, pour expliquer mes vidéos. 3 heures pour apprendre aux gens à prier. 4 heures, 7 heures. Et il y a des gens qui m'appellent. Moi, de leur expliquer encore à zéro. S'il vous plaît, vous-même, vous voyez combien je prends le temps, détail par détail. C'est pour ça mes vidéos durent. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous apprendre. Si vous voulez comprendre quelque chose, prenez note des vidéos. Ne m'appelez pas pour me dire, frère Éloge, ça là, je fais comment encore? Non, si vous m'appelez, je suis tellement gentil que je vous dis la vérité. Je ne vais pas vous réexpliquer ce que je prends des années à vous expliquer. Voici encore une prière qui va forcer tous les sorciers à fermer leur bouche. Une prière pour forcer tous les sorciers à vous laisser tranquille. Ce sont des gens de prière, quand vous faites ça pendant 30 minutes, ça apporte des dégâts incroyables. Voici la prière, très efficace. Vous allez voir, c'est le genre de prière que quand tu as fini de faire, si quelqu'un veut parler de toi, si quelqu'un veut parler de toi dans le monde des ténèbres, on attrape sa bouche et puis on dit « chut ». On dit « ce nom-là, on ne dit pas ça ici. Ce nom-là, on ne dit pas ça ici. » Tout le monde lui dit « chut ». Ça là, on ne dit pas ça ici. Voici la prière. Vous savez, les sorciers ont 2 façons de travailler. Soit ils vont maudire la personne qu'ils vont attaquer, maudire, ou bien ils vont faire ce qu'on appelle la projection mentale. Ils peuvent te maudire ou ils peuvent se projeter dans leur pensée ce qu'ils veulent qui t'arrive. C'est leurs 2 façons de travailler. Ils ne peuvent pas faire leurs incantations pour invoquer les démons sans parler. Ils ne peuvent pas aussi faire sans voir. D'une manière ou d'une autre, ils utilisent des principes bibliques. Vous allez voir, hein? La Bible déclare que si vous demandez, que vous pensez l'avoir reçu, vous croyez l'avoir reçu, vous le verrez s'accomplir. Donc, eux aussi, ils copient ça. Quand ils sont en train de maudire la personne, ils voient la personne subir la malédiction. Donc, ils ont soit une façon de se concentrer, méditer pour voir ta souffrance, ou bien parler. Mais il y a une petite prière qui les calme. Je vais entendre quelqu'un dire, frère, il faut tout dire aujourd'hui là. Une petite prière qui les calme. Si quelqu'un qui est parlé, on dit chut. On ne parle pas ici. Maintenant, voici la prière. Seigneur Jésus, il est écrit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Que tout sorcier qui va mentionner mon nom, ange de l'Éternel, arrache la langue à tout sorcier qui va mentionner mon nom, ou qui va utiliser un surnom pour m'attaquer, ou explose la tête à tout sorcier qui va faire des projections mentales contre moi au nom de Jésus. Ange de l'Éternel, saisis avec un crochet et arrache la langue à tout sorcier qui va m'attaquer. Qui va m'attaquer avec sa langue. Ange de l'Éternel, saisis avec un crochet, saisis avec une pince et arrache la langue à tout sorcier. Au nom de Jésus, saisis ton marteau et explose la tête à toute force des ténèbres. Explose la tête à toute force des ténèbres qui va imaginer mon malheur, qui va projeter des choses contre moi par la pensée. Au nom de Jésus. Ange de l'Éternel, saisis ton marteau et explose la tête à tout sorcier. Explose la tête à tout sorcier. Explose la tête à toute force de la sorcellerie qui va projeter des choses contre moi
au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce genre de prière, si elle est bien faite par une personne qui vit dans la sanctification, ça suffit pour calmer ton sorcier. Voici une autre prière qui est très importante. Beaucoup d'enfants de Dieu font des rêves et tous leurs rêves montrent qu'ils sont au village. Des frères, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines qui sont dans des pays occidentaux, mais rares sont les rêves qui montrent qu'ils sont dans le pays où ils vivent. Parfois, même c'est par hasard, ils rêvent et puis ils sont dans le pays où ils vivent. Tous leurs rêves montrent que leur âme est manipulée au village. Ça, c'est ce qui arrive quand, durant ton sommeil, comme les sorciers même l'ont déjà témoigné, il y a un degré de sommeil que quand un homme atteint, on peut convoquer son âme. C'est ce que les sorciers disent. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de sommeil. Vous voyez qu'il y a des gens qui dorment. Et puis quand vous les réveillez, c'est difficile de les réveiller. Vous n'avez pas remarqué? Il y a des gens qui dorment. La personne dort pour la réveiller. C'est difficile. Vous la bousculez même, versez l'eau sur elle-même. C'est quand elle veut qu'elle-même va se réveiller. Dans ce cas-là, ce sont des personnes, soit elles sont sorcières elles-mêmes, ou bien, soit durant leur sommeil, ils ont convoqué leur âme. Tellement leur âme est loin, dans le, loin de la ville ou du lieu où ils habitent, que pour les réveiller, c'est difficile. Vous savez que c'est quand l'âme de la personne revient en elle-même qu'elle se réveille. Mais par contre, ceux dont l'âme n'est jamais loin, quand tu les touches un peu, s'il y a un peu de bruit, ils se réveillent. Mais il y a des gens qui dorment, mais la nuit, les sorciers convoquent leur âme. Et tu es là, tu te vois au village, tu es en train de manger, en train de marcher, toujours en brousse, parce qu'ils ont la capacité à convoquer ton âme. Donc, voici une prière qui va t'aider. Répète avec moi, Seigneur Jésus, que toute force de la sorcellerie qui va convoquer mon âme dans le royaume des ténèbres pendant que je serai endormi ou bien pendant que je suis éveillé, que l'épée de Dieu foudroie cette force et la détruise au nom de Jésus. Que l'épée de Dieu foudroie toute force des ténèbres qui va faire des incantations, qui va faire des rituels pour me convoquer au village dans les ténèbres pendant mon sommeil au nom de Jésus. Que l'épée de Dieu frappe et foudroie toute force des ténèbres qui va convoquer mon âme pendant mon sommeil au nom de Jésus. Que l'épée de Dieu frappe et décapite, foudroie maintenant toute force de la sorcellerie qui va convoquer mon âme pendant que je serai profondément endormi au nom puissant de Jésus. Que l'épée de Dieu foudroie toute force de la sorcellerie qui va convoquer mon âme, qui essaiera de convoquer mon âme, de manipuler mon esprit pendant mon sommeil, au nom de Jésus. Que l'épée de Dieu foudroie au nom de Jésus. Désiré Yao, nous sommes en train d'intercéder. Si tu trouves que les prières sont rapides, attends, après tu vas reprendre le programme. Sinon, si tu ne peux pas répéter avec moi, je ne sais pas comment tu vas faire parce que je répète la prière plusieurs fois. C'est comme ça qu'on fait les prières d'intercession. Donc, si tu trouves ça rapide, tu reprends le programme après. Arrête de dire des choses, tu me déconcentres. Voici maintenant encore une chose importante que vous allez faire. Il y a une chose que j'ai découverte. Et cette découverte m'a vraiment fait du bien. Vous savez, pardon. Les démons sont des entités démoniaques au service des sorciers. Les démons sont des entités démoniaques au service des sorciers. Ils travaillent d'abord pour Lucifer. Mais quand quelqu'un rentre dans la sorcellerie ou dans le mysticisme, il y a un démon qui lui est assigné. Satan est un copieur, un photocopieur, un décalqueur. Comme la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qu'il aime et les arrache au danger. Il y a aussi des démons qui campent autour des sorciers et les informent de toutes vos activités. Il y a des démons ou des esprits qui leur sont donnés. Vous voyez, un enfant de Dieu qui donne sa vie à Dieu a un ange protecteur et aussi il reçoit l'Esprit Saint. Satan, le photocopieur aussi, va donner à chaque sorcier, selon sa mission, un esprit démoniaque. Donc, c'est en fonction de ces esprits
que ces sorciers opèrent. Le jour qu'ils veulent aller en mission, ils vont envoyer ce démon en mission pour venir vous attaquer. Parfois, ils viennent vous attaquer dans votre coin, mais eux-mêmes ne sont pas là. Mais c'est le démon qui est en mission qu'ils envoient. Voici pourquoi ils font des rituels, ils font des sacrifices pour donner le pouvoir au démon, le mandat au démon de venir vous attaquer. Mais quand vous regardez cela, ça n'a rien, ça dit, ça n'a rien de différent de ce que nous faisons en tant que chrétiens. Nous prions, nous faisons des prières, nous chantons des louanges à Dieu pour que l'Esprit Saint siège. Voici pourquoi on dit que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration, pour que l'Esprit de Dieu siège durant nos combats, pour que ses anges nous protègent. Et Dieu aussi nous a donné des esprits pour opérer en tant que prophète, évangéliste, chacun a reçu un esprit. Mais Satan aussi va aller donner des esprits de destruction aux sorciers. Il va leur donner des esprits de célibat, des démons de pauvreté. Et maintenant, chaque sorcier assigné à une famille va opérer avec l'esprit de sorcellerie qu'il a reçu et aussi avec l'assistance des démons qui les entourent. Alors que nous aussi, Dieu nous donne l'esprit et les démons. Donc Satan a photocopié tout le plan de Dieu. Analysez, vous allez voir. Si je ne prends pas le temps de vous enseigner ça, du point de vue de, en fait, comme résultat de mes recherches, de mes analyses, vous n'allez pas comprendre comment le monde de Satan fonctionne. Quand vous regardez mon livre, Né pour combattre le diable, j'ai expliqué tout détail par détail avec l'aide de Dieu. Et aujourd'hui, je vais vous donner un détail qui va vous surprendre, mais je pense que vous le savez déjà. Autant que les démons peuvent obéir aux sorciers ou à leur maître qui les invoque, tous les démons peuvent aussi vous obéir. La Bible déclare quoi? Au nom de Jésus, tout genou fléchira. Et le secret que j'ai découvert il y a des mois ou plusieurs années de cela, c'est que durant le combat spirituel, vous avez aussi le droit et le pouvoir d'envoyer les démons détruire tous ceux qui vont les invoquer contre vous. Ce qui veut dire que quand un féticheur invoque un démon pour l'envoyer contre vous, au lieu que le démon vienne vous attaquer, le démon va détruire son maître qui l'a envoyé parce qu'il a reçu l'ordre d'un maître plus supérieur au sorcier qu'il invoque. Ça, c'est un grand secret que vous ne saviez pas, mais je vous le dévoile. Je vous le dévoile parce que un jour, j'étais en train de prier et après mon sommeil, j'ai vu des femmes qui parlaient et elles lançaient des poudres. Elles lançaient des poudres et elles parlaient. Et j'ai senti que c'est un peu comme si mes prières n'étaient pas efficaces. Donc, il fallait que je demande à Dieu de m'inspirer une arme de combat spirituel infaillible. C'est ce jour-là que Dieu m'a révélé une stratégie de prière efficace. Une stratégie de prière tellement efficace que quand vous faites cette prière, quand vous l'appliquez dans la sanctification, je précise toujours, dans la sanctification et dans la détermination du moins, elle fonctionne tellement bien que vous dormez comme un bébé. Je vous ai dit que ce programme vise à vous enseigner et à vous donner des stratégies de prière. Après, on termine très bientôt parce que mes batteries sont déchargées. Donc, voici la découverte que j'ai faite. Lorsque j'étais en train de prier, j'ai tout simplement fait cette prière que je vous demande de faire. Que tout sorcier qui va invoquer un démon pour moi, pour l'envoyer contre moi, j'ordonne à ce démon de se retourner contre lui et de le détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici la prière. Il est écrit qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. S'il y a un sorcier qui invoque un démon, un esprit malsain pour l'envoyer contre moi, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à ce démon de retourner contre l'envoyeur et de le démolir au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, vous savez que au nom de Jésus, tout genou fléchira. Ce qui veut dire que si vous ordonnez à un démon qui a été envoyé contre vous, en récitant la parole de Dieu, le démon n'aura pas de choix de retourner et détruire son propriétaire. C'est ça qu'on appelle retour à l'envoyeur. Est-ce que vous savez que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, le méchant sera dans l'infortune, car il recueillera l'œuvre de ses mains. Et aussi, il est écrit que Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Les deux versets bibliques seulement suffisent pour retourner à l'ennemi
son problème qui vous envoie. Vous voyez, il y a des gens qui ont des problèmes et ils ne savent pas prier pour ces problèmes. N'oubliez pas une chose, le secret que je veux vous apprendre ce soir, c'est d'apprendre à faire retour à l'envoyeur. Si un sorcier a programmé la mort sur votre vie, si vous ordonnez à la mort de retourner contre le sorcier n'a pas le choix que d'annuler la mort. Je vous ai déjà dit, en 2014, j'avais été attaqué et il y avait un programme de mort qui pesait sur ma vie. Je vous ai déjà témoigné ça. Là, Dieu m'a dit de prier ainsi. Je prophétise que toute date qu'ils ont prévue pour ma mort devienne la date de leur propre mort s'ils ne l'annulent pas. Au nom de Jésus, je prophétise que toute date qu'ils ont prévue pour ma mort devienne la date de leur propre mort au nom de Jésus. Je prophétise que toute date qu'ils ont prévue pour ma mort devienne la date de la mort de la personne qui l'a programmée au nom de Jésus. Je prophétise que toute date à laquelle ils ont décidé de venir me surprendre, les anges de Dieu les surprendront à cette date, à cette heure, et les détruiront au nom de Jésus. Que toute heure à laquelle ils ont décidé de venir me surprendre devienne l'heure de leur propre destruction au nom de Jésus. Que toute heure à laquelle ils ont prévu de venir me surprendre pendant mon sommeil devienne l'heure de leur propre destruction. Que toute heure à laquelle ils ont décidé de me tuer devienne l'heure de leur propre destruction au nom de Jésus. Il est écrit, le méchant sera dans les fortunes, car il recueillera l'œuvre de ses propres mains. Seigneur, que toute personne qui a déposé une maladie sur moi vienne enlever la maladie. Sur moi, vienne retirer cette maladie. Que toute personne qui a planté un problème dans ta vie vienne enlever le problème. Si cette personne n'enlève pas le problème, ange de l'Éternel, attrape sa tête et brise son cou. Attrape sa tête et brise son cou. Que toute personne qui est venue déposer une maladie sur moi vienne enlever la maladie. Toute personne qui est venue déposer un problème dans ma vie viennent retirer le problème. Si l'auteur ne vient pas retirer sa maladie, ses problèmes et ses blocages, ange de l'Éternel, saisis sa tête et brise son cou. Saisis sa tête et brise son cou. Saisis son cœur et arrache-le. Saisis son cœur et arrache-le. Au nom de Jésus. Les enfants de Dieu,
font des prières traditionnelles. Des prières de 1901. Ces mêmes prières-là, tu récites. Jusqu'à parfois, même, tu commences à t'en même et dire Amen. Vos prières sont trop faibles et ne font pas peur à l'ennemi. Bien aimé, nous sommes dans le combat spirituel. Ce n'est pas une affaire d'amusement. Les gens qui ont bourré leur tête en disant, il faut prier pour tes ennemis. Excuse-moi, depuis le temps des gens, si le royaume des cieux est forcé, il y a plusieurs catégories d'ennemis. Quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'il fait, par ignorance, il t'embrouille. Tu le laisses tranquille. Mais sorcier en train de ronger tes orteils. Ils sont en train de bouffer tes orteils, bouffer tes enfants, bouffer ta vie. Au lieu de te lever pour combattre comme David, tu es là, tu te joues les saints. Alors que pendant que tu es en train de te jouer les saints, ils ont bloqué ton mariage, ils ont bloqué tes finances, ils ont bloqué ta vie, ils ont bloqué ta destinée, ils ont inversé ta vie et ils n'ont même pas peur de tes prières. Tu pries, tu pries, tu pries, rien ne bouge pour la simple et bonne raison que tes prières ne leur font même pas peur. Apprenez à faire ce qu'on appelle des prières violentes, des prières qui font que l'ennemi, il te regarde, il n'a pas le choix, mais il te rompt ce qu'il a pris. Quand un sorcier dépose une maladie sur toi, ils peuvent venir retirer la maladie. Quand ils t'ont volé, ils peuvent restituer. C'est ce que la Bible dit. Le voleur restituera dans son entier l'objet mal acquis, en ajoutant un cinquième, et le remettra à celui avec qui s'est rendu coupable. La Bible déclare qu'il restituera, il restituera avec dommages et intérêts. Donc, s'ils ont détruit, ils peuvent réparer. Quand un sorcier vous dit c'est trop tard, c'est pas parce que c'est trop tard, c'est parce que lui-même, il a peur de mourir à votre place. Sinon, ils peuvent retirer tout ce qu'ils ont introduit comme problème dans votre vie. Mais ce qui va les contraindre à le faire, c'est votre méthode de prière. Parce que si l'ennemi voit que lui-même là, il est plus en danger que vous qui veut mettre en danger, il est obligé de vous laisser tranquille pour que lui aussi puisse vivre. Les enfants de Dieu sont devenus trop gentils. Leur prière est faible. Parfois, bon, ce n'est pas leur faute parce que tout le monde n'a pas reçu le don de formuler des prières comme moi. Mais je suis là pour vous apprendre. Je suis là pour vous apprendre à prier, à faire des bonnes prières pour que l'ennemi vous laisse tranquille. Vous êtes là, les gens vous poursuivent depuis des années, ils sont assis sur vos finances et ils n'ont même pas peur. Ça ne vous dit pas quelque chose pour que vous changez vos prières? Répétez avec moi. Seigneur, que tout agent des ténèbres qui va invoquer son fétiche contre moi, j'ordonne à son fétiche de se retourner contre lui et de le détruire au nom de Jésus. Tout agent des ténèbres qui va invoquer son fétiche contre moi, j'ordonne à ton fétiche de se retourner contre toi et de te détruire au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, il est écrit que tout genou fléchira, que tout agent du monde des ténèbres qui va invoquer un fétiche pour l'envoyer contre moi, j'ordonne à ton fétiche, au nom de Jésus-Christ, de se retourner contre toi et de te détruire. Tout agent des ténèbres qui va verser de l'eau pour parler contre moi, si tu bois l'eau, que la foudre t'abatte. Tout sorcier qui va boire, qui va verser de l'eau pour me maudire, si tu bois l'eau, si tu te laves avec l'eau, si tu respires l'eau, si tu manges des choses préparées avec l'eau, sois abattu par la foudre et meurs au nom de Jésus. Sois abattu par la foudre et meurs au nom de Jésus. Sois abattu par la foudre et meurs au nom de Jésus. Sois abattu par la foudre et meurs au nom de Jésus. J'ordonne au vent de renverser tous les sorciers qui vont s'envoler contre moi cette nuit. Au nom de Jésus, que le vent renverse, que le tonnerre les brise, que le vent les renverse, que le tonnerre les brise, que le vent les renverse, que le tonnerre les brise, que le vent renverse et brise tous les sorciers qui vont quitter leur corps cette nuit pour m'attaquer, cette semaine pour m'attaquer. Au nom de Jésus, j'invoque un vent violent pour les renverser. 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 Au nom de Jésus, ange de l'Éternel, arrache la langue à tous ceux qui vont tenir des réunions contre moi cette nuit. Ange de l'Éternel, arrache la langue. 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 Arrache la langue à tous ceux qui appellent mon nom chaque nuit, même s'ils m'ont donné un surnom pour opérer. Ange de l'Éternel, arrache la langue à tous les sorciers qui opèrent contre moi avec mon nom ou un surnom qu'ils ont inventé pour moi. Au nom de Jésus, ange de l'Éternel, arrache la langue à tous les sorciers. Arrache la langue à tout sorcier qui va opérer contre moi avec mon nom, mon prénom ou invoquer mon âme dans le monde des ténèbres. Cette nuit même, au nom de Jésus,
Épée de l'Éternel, réveille-toi et réduis mes ennemis en pièces. 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 Au nom de Jésus, épée de l'Éternel, réveille-toi. Réveille-toi et réduis mes ennemis en pièces. Réduis mes ennemis en pièces. Réduis, réduis, réduis au nom de Jésus. J'invoque le marteau de Dieu pour réduire en pièces tout ton fort qui combat ma destinée. J'invoque le marteau de Dieu pour foudroyer, pour réduire en pièces. J'invoque le marteau de Dieu. J'invoque le marteau, j'invoque le marteau, j'invoque le marteau, j'invoque le marteau pour briser et foudroyer, pour briser et foudroyer, pour briser et foudroyer, pour briser et foudroyer, pour briser et foudroyer. Au nom de Jésus, répète avec moi, hache de l'Éternel, brise les bras et les pieds de tout sorcier qui poursuit mon âme sans cesse. Tout sorcier chasseur qui poursuit mon âme sans cesse, ange de l'Éternel, brise les pieds. Brise les bras de tout sorcier chasseur qui poursuit mon âme et mon esprit sans cesse. Au nom de Jésus, ange de l'Éternel, hache de l'Éternel, brise les pieds, brise les bras de tout sorcier, de tout agent des ténèbres qui poursuit mon âme sans cesse. Au nom de Jésus, ange de l'Éternel, brise les pieds, brise les bras, brise la colonne vertébrale de tout agent des ténèbres qui chasse mon âme nuit et jour. Tout chasseur d'âme qui poursuit mon âme, tout chasseur d'âmes, soit broyé, soit brisé, soit foudroyé, 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 soit broyé, soit brisé, soit foudroyé. Au nom de Jésus, ange de l'Éternel, saisis la tête et brise le cou de tout sorcier qui vient s'asseoir sur ma vie chaque nuit. Au nom de Jésus, ange de l'Éternel, saisis la tête, brise le cou. Saisis la tête et brise le cou. Saisis la tête et brise le cou de tout sorcier qui vient marcher sur ma vie chaque nuit. Ange de l'Éternel, saisis la tête et brise le cou. Saisis la tête et brise le cou de tout sorcier qui vient appeler mon âme chaque nuit. Au nom de Jésus, soyez décapité et foudroyé. 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 Au nom puissant de Jésus, ange de l'Éternel, saisis la tête et brise le cou à tout sorcier, tout agent des ténèbres qui vient marcher sur moi chaque nuit, tout pouvoir qui vient marcher sur mon corps, qui vient marcher sur mon âme, qui vient me piétiner chaque nuit, soit broyé, soit foudroyé, soit écrasé, soit broyé, soit foudroyé, soit écrasé, soit broyé, soit brisé, soit écrasé, soit broyé. Au nom de Jésus. Bien-aimé, les enfants de Dieu sont harcelés et même maltraités. Il y a des gens qui dorment, qui se réveillent fatigués. C'est-à-dire, tu dors pour te reposer. Tu es supposé te réveiller en bonne santé et en pleine forme. Mais quand tu te réveilles, tu es fatigué. On dirait quelqu'un qui allait couper bois la nuit pendant que tu as dormi toute la nuit. Comment cela se fait? Parce que les sorciers utilisent ton corps. Ils utilisent ton âme. Il y a des gens qui sont des esclaves. Pendant qu'ils sont en train de dormir, dans le monde des ténèbres, chaque nuit, ils vont travailler pour le diable. Ils ne savent pas. Quand ils se réveillent, Satan efface leurs rêves. Il y en a qui sont dans la servitude aggravée. Ça dit que tu dors chaque nuit, mais ils vont convoquer ton âme pour aller dans le royaume des ténèbres, pour aller balayer le champ de quelqu'un, pour aller porter bagage de quelqu'un. Il y a des gens qui ont la chance de se voir en rêve en train de porter bagage. Il y en a qui se voient en train de balayer, de puiser l'eau. Ça dit qu'ils sont là physiquement, mais spirituellement, l'ennemi les utilise comme cheval, comme véhicule, comme esclave. Et, excusez-moi, je suis un peu enrhumé, mais ils ne comprennent pas pourquoi leur vie ne bouge pas. Ton âme est utilisée spirituellement. Physiquement, tu n'es pas efficace parce que spirituellement, ils t'utilisent. Ça dit que tu as une double vie. Tu vis sur cette terre des vivants. Mais spirituellement, tu mènes une double vie. La nuit, tu as des gens avec qui tu manges. Tu as des gens avec qui tu te promènes. Tu vas au champ. Au champ, tu vas balayer le champ. Tu travailles pour des gens. La nuit, au réveil, ils effacent tes rêves. Et ils te font voir des rêves bizarres. Au nom puissant de Jésus, s'il y a quelqu'un
qui est là physiquement, qui est en train de mener une double vie. Si la sorcellerie, tu utilises pour mener une double vie, physiquement, tu es professeur, physiquement, tu es travailleur, ouvrier, mais spirituellement, il t'utilise comme un esclave. Tu ramasses les bois, tu ramasses des bagages. Bien aimé, beaucoup sont esclaves dans le monde des ténèbres. Ils doivent prier pour que Dieu démolisse les lieux où ils sont enfermés, où ils sont enchaînés. Beaucoup de femmes sont esclaves. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ne sont jamais en bonne santé parce que spirituellement, on leur impose des tortures incroyables. Des femmes qui physiquement ne se sentent jamais bien parce que spirituellement, elles sont matraquées. Des hommes, vous les voyez, toujours fatigués, toujours épuisés. Tu ne sais même pas ce que tu fais, mais quand tu te réveilles, toujours essoufflé. Parce que spirituellement, ton âme travaille dur. Il y a des durs labeurs qui te sont imposés. Ouvre tes yeux, tu vas voir que ce que je suis en train de dire là, c'est une révélation que je te donne. Depuis que tu as des projets là, tu as déjà eu la force pour appliquer tes projets. Tu n'as jamais la force. Tu n'arrives pas à te concentrer. Parce que spirituellement, ton âme est en train de faire un autre travail. Au nom de Jésus, s'il y a quelqu'un parmi nous dont le diable et ses agents se servent comme esclaves, j'ordonne que cette personne soit libérée au nom de Jésus. Répète avec moi, Seigneur, si physiquement je fais tel travail et que dans le monde des ténèbres je suis utilisé comme un esclave, si je suis utilisé comme une manœuvre, je détruis tout ce qui m'affecte physiquement au nom de Jésus. Je détruis toutes les opérations sataniques nocturnes. Je détruis toutes les manipulations nocturnes. Je détruis toutes les opérations sataniques nocturnes. Je ne veux pas être un esclave. Je ne veux pas être un esclave. Je ne veux pas être un esclave au nom de Jésus. Tout sorcier qui m'utilise comme un esclave, soit enchaîné et jeté dans le feu. Soit enchaîné, soit enchaîné, soit enchaîné, soit enchaîné, soit enchaîné au nom de Jésus. Seigneur, je ne veux pas mener une double vie. Je ne veux pas mener une double vie. Je ne veux pas que mes enfants mènent une double vie au nom de Jésus. Voici des gens qui ont des enfants qui mènent une double vie. Des hommes et des femmes qui sont là physiquement, mais qui mènent une double vie. Vous allez voir l'enfant, il dort la nuit, il sourit, il rit, il parle seul. L'enfant dort, ou bien votre voisin de chambre, il dort la nuit, il lance coup de poing. La nuit, il rit, il crie. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui se passe dans le spirituel. Si la personne est torturée dans le spirituel comme esclave, vous allez voir, vous la regardez dormir, en train de se tordre, toute bouger. Vous allez voir que ce sont des gens qui dorment, mais ils ne dorment pas sur place tranquillement. Ils sont tout le temps agités, c'est-à-dire leur sommeil est agité. Ce sont des gens qui sont là, mais qui ont une double vie. Spirituellement, ils sont utilisés, physiquement aussi, ils vivent leur vie. Et il y en a qui sont des sorciers qui mènent une double vie dont ils sont conscients, et il y a beaucoup qui sont des sorciers inconscients. La nuit, ils te font faire des choses que tu ne peux même pas dire aux gens. Parfois, tu manges, parfois, tu as des rapports sexuels. C'est-à-dire que physiquement, tu es marié, et spirituellement, tu es marié. C'est-à-dire que quand tu dors là, tu couches avec quelqu'un avec qui tu es marié physiquement. C'est-à-dire que physiquement, tu as ton mari, ta femme, qui a des rapports sexuels avec toi. Matt est en train d'invoquer le bateau. En tout cas, il faut invoquer le bateau. Vous voyez, beaucoup disent mari de nuit, mari de nuit. Mais ce n'est pas forcément mari de nuit. Ça, c'est une double vie que tu es en train de mener. Il y en a qui ont des enfants spirituels, bébés spirituels, mari spirituel. Donc, quand ils dorment, ils ont des rapports sexuels normalement, comme une personne qui est mariée physiquement. Physiquement aussi, ils ont. C'est une double vie. Au nom puissant de Jésus, j'invoque le marteau de l'Éternel pour foudroyer toute force des ténèbres qui m'utilise pour mener une double vie dans le monde invisible. Toute force des ténèbres qui me fait mener une double vie dans le monde des ténèbres soit écrasée, broyée, foudroyée au nom de Jésus. Seigneur, que toute double vie que l'ennemi est en train de me faire mener et qui empêche ma vraie vie de s'accomplir, soit broyé, brisé au nom de Jésus. Toute double vie dans le monde des ténèbres que l'ennemi est en train de me faire mener et qui m'empêche d'accomplir ma destinée, je brise cette double vie dans le spirituel et j'ordonne la libération de ma vraie destinée. J'ordonne la libération de ma
vraie destinée. J'ordonne la libération de ma vraie destinée. Au nom de Jésus, que toute puissance des ténèbres qui me fait mener une double vie soit broyée, écrasée, foudroyée au nom de Jésus. Soit broyée, foudroyée, écrasée au nom de Jésus. Soit broyée, foudroyée, écrasée au nom de Jésus. Soit broyée, foudroyée, écrasée au nom de Jésus. Voici pourquoi vous allez voir que les enfants de Dieu souffrent. Parce qu'ils mènent une double vie sans le savoir. Beaucoup mènent une double vie. Tu dors, tu te réveilles fatigué. Toi-même, tu ne sais même pas ce que tu as fait la nuit. D'ailleurs, même, il y en a qui sont célibataires. Physiquement célibataires, mais spirituellement mariés. C'est-à-dire que la nuit, là, les activités reprennent. Hein. Monsieur de nuit va venir. Madame de nuit va venir. Ils voient, mais ils ne savent pas que c'est à cause de cette vie spirituelle que leur vie physique va mal. C'est la vérité. Parce que tu mènes une double vie spirituellement. Et là, c'est une situation très sérieuse. Parce que tant que tu ne parviendras pas à prier pour ta protection, pour éliminer toutes ces activités nocturnes sataniques, vous allez voir que ça n'ira pas. Lorsque les activités spirituelles s'intensifient, votre vie physique commence à avoir beaucoup de problèmes. Mais lorsque vous allez remarquer que vos activités nocturnes spirituelles vont commencer à se réduire, physiquement, votre vie commence à prospérer. Donc, ce qui veut dire que quand dans le spirituel, dans le monde des ténèbres, l'ennemi vous utilise plus, physiquement, vous perdez plus. Quand il ne parvient plus à vous utiliser plus dans les ténèbres, physiquement, vous commencez à progresser. Donc, quand vous voyez que le physique commence à prendre le dessus, vous commencez à réussir, c'est que spirituellement, les sorciers n'ont plus trop d'emprise sur votre vie ou n'ont plus d'emprise sur votre vie. Mais quand ils commencent à reprendre le dessus, vous commencez à perdre. C'est une bataille comme un bras de fer. Donc, vous pouvez maintenant comprendre que vos blocages sont dus à ce que, d'une manière ou d'une autre, l'ennemi veut vous emmener dans lui son royaume. Il y a d'autres royaumes qui existent. Donc, dites avec moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, j'envoie des flèches de feu dans tout royaume où mon âme est utilisée comme esclave. Et j'ai détruit tout ce qui me tient en captivité. J'envoie des flèches de feu. J'envoie des flèches de feu en tout lieu où l'ennemi m'utilise comme esclave. Et j'ordonne la libération de mon âme. J'ordonne la libération de ma vie. J'ordonne la libération de mon âme. J'ordonne la libération de ma vie. J'ordonne la libération de mon âme. Au nom de Jésus, j'envoie le marteau de Dieu pour briser toutes les chaînes avec lesquelles j'ai été attaché. J'envoie maintenant le marteau de Dieu pour briser toutes les chaînes d'esclavage, toutes les chaînes d'oppression, toutes les chaînes de blocage, toutes les chaînes de mysticisme. Je brise les chaînes. Je brise les cordes. Je brise les chaînes. Je brise les cordes. Je brise les chaînes. Je brise les cordes. Je libère mon âme au nom de Jésus. Je libère mon âme. Je libère mon âme. Je libère mon âme au nom de Jésus. Il est important que vous priez pour ce que je vous explique. Un jeune homme souffrait. Il souffrait. Et Dieu, dans son amour, va lui révéler pourquoi il souffre. Dieu, dans son amour, va lui révéler pourquoi il souffre. Et il a fait un rêve. Dans le rêve, il était en train de pousser un camion chargé de sacs. Et il poussait le camion lui seul. Il était derrière, il poussait le camion pour monter une côte. Et en plus, le camion était sans pneus. Bien-aimé, vous savez ce que ça veut dire? Dieu lui a montré que il était en train de subir ce qu'on appelle la servitude, l'oppression spirituelle. Il y a aussi un jeune homme qui avait fait un rêve dans lequel il était en train d'escalader une grosse montagne. Montagne comme ça. Si montagne était comme ça, on pourrait dire que c'était bon. Mais une montagne comme ça. Il dit, il escaladait la montagne. Il transpirait. Mais il n'arrivait pas à avancer. Il y a des gens aussi qui font des rêves où ils sont en train de monter escalier, ils n'arrivent pas. Escalier sur escalier. Escalier ou escalier. Il y en a aussi qui font des rêves
où ils sont en train de porter des bagages, en train de transpirer, en train de marcher, ils n'arrivent pas où ils vont. Ils courent, ils n'arrivent pas. Ça là, c'est l'oppression diabolique ou l'esprit de servitude. L'esprit de servitude. Au nom puissant de Jésus, je brise tout pouvoir qui est en train de m'asservir au nom de Jésus. Tout pouvoir de servitude. Bien aimé, est-ce que vous ne comprenez pas ce que je dis? La Bible dit quoi? Mon peuple a été asservi par la Syrien qui l'opprima. Donc, quand on parle de servitude, on parle d'oppression. Dieu a dit, mon peuple a été asservi par la Syrien qui l'opprima. Et il a dit à Moïse, maintenant va. Et vous allez remarquer que quand les enfants de Dieu étaient en Égypte, ils étaient comme des esclaves. Ils étaient en servitude. Ils étaient opprimés. Donc, aujourd'hui, cet esprit d'esclavage est dans la vie de beaucoup de personnes qui sont asservies, qui sont opprimées, qui sont utilisées par la sorcellerie. Et moi, ma mission, c'est de vous dévoiler toutes ces choses. Parce que beaucoup ne savent pas pourquoi leur vie va mal. Au nom puissant de Jésus, que tout pouvoir qui est en train de m'opprimer nuit et jour, briser mes rêves impunément, soit frappé de plein fouet en pleine gorge par l'épée et décapité. Soit frappé en pleine gorge et décapité. Tout pouvoir qui est en train de m'asservir, tout pouvoir qui est en train de m'opprimer injustement, soit frappé de plein fouet au nom de Jésus. Soit broyé au nom de Jésus-Christ. On est en train d'aller vers la fin. Là maintenant, je vais parler des condamnations gratuites. Il y a des gens qui sont en train de subir ce qu'on appelle la condamnation gratuite. Ça dit que le monsieur, parce qu'il est sorcier, ou la femme, parce qu'elle a des pouvoirs de sorcellerie, te provoque et quand tu tombes dans ses pièges, dans son piège, commence à exercer son emprise sur ta vie. Il y a des gens à qui tu n'as rien fait, mais ils te disent que tant que tu ne viendras pas te mettre à genoux devant eux pour leur demander pardon, ils ne te laisseront pas réussir. Quand vous allez bien analyser l'affaire, ils n'ont pas raison. Il y a des gens qui vous ont fait du mal. Mais en même temps qu'ils vous ont fait du mal, ils veulent que ce soit vous qui veniez leur demander pardon avant qu'ils ne vous laissent réussir. C'est ça là que j'appelle condamnation gratuite. Ça veut dire que la personne te piège, t'induit en erreur et utilise ça comme prétexte pour te faire du mal. Parce que comme on dit spirituellement, si tu réagis, tu es aussi coupable. Alors que c'est cette personne qui t'a induit en erreur. Et là, tu te dis, mais Seigneur, j'ai rien fait. Mais le tout, c'est que tu as ouvert une porte. Même si la personne t'a insulté et que tu as répondu, le fait est que tu as répondu. Même si la personne t'a donné à manger, le fait est que tu as pris sa nourriture. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que, les sorciers même savent que, la Bible dit que quand tu donnes à manger à ton ennemi, tu mets des braises de feu sur sa tête. Eux-mêmes, ils savent que, la Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais le truc, c'est que parfois, il y a des causes. Parce que si la personne t'a insulté, même si tu as raison que tu as répondu, la cause, c'est que tu as répondu. Si la personne t'a hébergé et qu'aujourd'hui, elle n'est plus content de toi, le fait, c'est que tu as vécu chez elle, tu as mangé chez elle, tu as bu chez elle. Et il y a des gens qui peuvent faire des choses qui ne sont rien d'autre que ce que Dr. Olokoya appelle des faux bienfaits. C'est-à-dire qu'ils te mettent dans une situation pour avoir une autorité spirituelle sur ta vie. Voici pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens qui disent, à cause de ce que tu m'as fait, tu vas partir, tu ne vas pas réussir, à cause de ceci, à cause de cela. Mais ça, ce sont des condamnations gratuites. Parce que parfois, il y a des gens qui ont une mentalité tordue, un raisonnement erroné, où ils croient qu'ils ont toujours raison. Et ils t'oppriment gratuitement parce qu'ils ont, don, ils ont des dons et pouvoirs magiques, pouvoirs sataniques. Ils te font du mal, ils veulent te faire du mal et ils te poussent à bout. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, si je suis en train de subir une condamnation gratuite, d'où j'ai été induit en erreur par quelqu'un qui est en train de m'opprimer injustement aujourd'hui,
que les anges de Dieu saisissent mes opprimeurs et brisent leurs bras au nom de Jésus. Ange de l'Éternel, saisis mes oppresseurs et brise leurs bras. Saisis mes oppresseurs et brise leurs bras au nom de Jésus. Ange de l'Éternel, saisis mes oppresseurs et brise leurs bras au nom de Jésus. Saisis mes oppresseurs et brise leurs bras au nom de Jésus. Brise leurs bras, Père. Brise le bras de tout oppresseur qui est assis sur ma vie. Ange de l'Éternel, saisis mes oppresseurs et brise le bras au nom de Jésus. Brise le bras de tout oppresseur qui me poursuit nuit et jour. Brise le bras de tout oppresseur qui me poursuit nuit et jour au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu viens d'arriver, j'ai demandé aux gens de partager la page. Il nous reste peut-être 10 minutes pour finir, pour que vous allez vous coucher. Ok? Vous savez pourquoi j'ai fait le programme à 7h aujourd'hui? Je suis à Paris et je sais qu'à Paris, il est 23h. Sauf si je me trompe. Au Canada, il est plus tôt que ça. En Italie aussi, il doit être certainement 23h. Donc, accordez-moi encore quelques temps pour vous donner des points de prière. Vous voyez, vous avez l'impression que mes prières sont rapides. Mais mon but, c'est de révolutionner la prière et de faire de vous des gens efficaces et rapides dans le combat spirituel. Vous voyez qu'il y a ce qu'on appelle les pouvoirs récalcitrants. Ça dit que les sorciers ou les démons qui n'ont que faire de vos prières et de vos sanctifications. Vous avez abandonné vos péchés, vous avez tout fait, vous avez tout laissé tomber. Malgré cela, l'ennemi vient vous attaquer gratuitement. Parfois, vous n'avez rien fait de mal, mais ce que vous êtes en train de subir, c'est indescriptible. C'est là que parfois, il faut se lever et faire des prières violentes. Répète avec moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, saisis tout sorcier qui m'attaque sans motif et broie-le au nom de Jésus. Ange de l'Éternel, saisis tout sorcier qui m'attaque sans motif et broie-le au nom de Jésus. Ange de l'Éternel, saisis tout sorcier qui me combat sans raison valable et écrase-le. Écrase-le au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, comme je vous ai dit, j'allais vous donner aussi des points de prière, des passages bibliques efficaces. Vous connaissez la plupart de ces passages bibliques. Ok? Ce n'est rien de nouveau pour vous. Mais moi, je vais vous les rappeler. Ésaïe 47. 41, verset 9 à 17. Voici un passage biblique très efficace pour ceux qui vivent les attaques sexuelles nocturnes. Femme de nuit, mari de nuit. Voici un passage biblique très efficace. Ésaïe 47. Le livre de Ésaïe 47 est très efficace pour la protection contre les attaques sexuelle nocturne. Lorsque vous êtes en train de lire, il faut appliquer. Vous savez, je ne sais pas si le temps me permet de le faire, mais beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas utiliser sa parole. Et moi, mon but, c'est non seulement de vous ramener à Dieu, et aussi de vous apprendre à retourner sa parole. Vous voyez que dans le combat spirituel, lorsque vous appliquez bien la parole de Dieu, elle est efficace. Mais si vous faites tout simplement que la réciter avant de dormir, c'est moins efficace. Lorsqu'on applique correctement la parole de Dieu, c'est plus efficace par rapport à quand on fait tout simplement une lecture biblique. Lorsque vous faites une lecture simple d'un passage biblique, vous êtes en train de rappeler à Dieu sa parole. Mais lorsque vous réclamez et que vous appliquez la parole, vous êtes en train de retourner à Dieu sa parole. Pourquoi? Je peux juste faire un passage biblique. Je vous donne un exemple. Je prends le livre de Psaume 91. Je vais vous montrer deux stratégies efficaces. La première stratégie consiste à faire une lecture biblique avant de dormir. Ou bien, pour faciliter les choses, je vais vous montrer. Voici ce que les gens font tous. Ils prennent la parole de Dieu. Psaume 91, verset 1 à 16. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel mon refuge.
ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de la douleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les tirs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la contagion qui frappe à plein midi, ni la contagion qui frappe à plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas, tu verras la rédemption des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du trône ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne touche une pierre. Tu marcheras sur le lion l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera. Je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ça, c'est juste une confession ou une confession biblique. Cette confession biblique est très efficace parce que c'est la parole de Dieu. Mais si au lieu de la confession, vous appliquez ce qui est écrit, ça va être encore 10 000 fois plus efficace que ce qui est écrit, que ce qu'on vient de faire précédemment. Ici, on a dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Lorsque vous voulez appliquer la parole de Dieu, c'est différent de lorsque vous voulez faire juste une confession biblique. Avant de dormir, nous faisons que des confessions bibliques. Tout un projet contre moi sera nul et sans effet. Oui, ça c'est une confession biblique. Mais lorsque tu veux agir selon ce qui est écrit, lorsque tu veux retourner à Dieu sa parole, prenons par exemple le psaume 68. Lorsque vous voulez retourner à Dieu sa parole, la stratégie, ou si je peux me permettre de le dire, la manière de vous y prendre doit changer. Vous voyez? Donc, avant d'aller au psaume 68, je vais maintenant dire à Dieu, au lieu de faire une confession biblique simple, voici comment je vais faire. Au lieu de dire, celui qui demeure sur la brûlure repose à l'œuvre du Tout-Puissant, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, en Dieu, mon cuffé, et puis dormi après, amen, et puis dormi. Voici comment je vais faire. Seigneur, souviens-toi qu'il est écrit, celui qui demeure sous la brûlure du Très-Haut repose à l'œuvre du Tout-Puissant. Seigneur, ta parole déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Au nom de Jésus, Seigneur, je déclare aujourd'hui que je reposerai sous ton abri au nom de Jésus. Il est écrit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Au nom de Jésus, je proclame que je demeure sous l'abri du Très-Haut au nom de Jésus et je prophétise que je serai à l'ombre du Tout-Puissant. Ça, quand on veut appliquer, on part verset par verset et on réclame la promesse en la retournant à Dieu. Et je dis à Dieu, c'est ta parole qui a dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, je te retourne cette parole. Agis en fonction d'elle. S'il y a quelqu'un qui veut venir troubler mon sommeil, qu'il soit décapité, foudroyé, écrasé, broyé, déchiqueté par le tonnerre, au nom de Jésus, ce verset biblique seulement, je peux taper une heure dessus. Bien aimé, vous allez voir, s'il y a un sorcier qui vient m'attaquer, c'est que je n'ai pas confessé mes péchés ou je ne vis pas dans la sanctification. Mais si c'est dans la sanctification, vous allez voir, cette prière sera tellement efficace qu'en moins de quelques jours, vos ennemis vous laisseront tranquilles. Maintenant, quand j'ai fini avec le verset 1, je vais au verset 2 qui dit, il est écrit, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Vous voyez, durant ma lecture, je vais prendre les espaces les plus importants qui m'intéressent et je vais dire à Dieu, Seigneur, ta parole déclare que c'est toi, tu es le Dieu en qui je me confie. Que c'est toi qui me délivre du filet de l'asileur, de la peste et de ses ravages. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, délivre-moi du filet de l'asileur. Que tout filet qu'ils m'ont lancé soit déchiré. Que toute âme qu'ils ont forgée contre moi soit foudroyée. Tout,
tout filet qu'ils ont lancé contre moi soit déchiré. Toute chose qu'ils ont faite contre moi soit détruite, soit broyée au nom de Jésus. Je retourne la peste à son envoyeur. 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 La peste à ton envoyeur. À son envoyeur au nom de Jésus.